Et puis, que pense exactement la population, c'est-à-dire au fond vous-même? Quel est le degré de confiance que vous attribuez à ce système, les polices municipales? Les souhaitez-vous armées ou non armées? Est-ce que votre opinion est favorable à l'extension de ce système ou pas? Voici une réponse par sondage que nous avons effectuée à travers l'Institut Ipsos pour François et pour la Marche du siècle. Premier commentaire de Jean-François Gringoire. Dans la région où vous vivez, à quelle force de sécurité faites-vous confiance? Les réponses indiquent une nette préférence pour les forces de sécurité dépendantes de l'État. La gendarmerie, 85%, les forces de police nationale, 74%, et les CRS, 71%. Les forces de police municipales rassemblent 57% d'opinions favorables, 44% accordent leur confiance à des sociétés de gardiennage privées. À la question « Êtes-vous favorable ou pas aux polices municipales ?», une nette majorité de Français, 69%, se déclarent favorables au fait que les communes se dotent de leur propre police municipale. Ils sont 28% à s'opposer au principe d'une police municipale. Quelle opinion les Français ont-ils des polices municipales? Les trouvent-ils plutôt rassurantes ou dangereuses? 81% des Français se sentent rassurés par la présence des polices municipales. 13% les trouvent dangereuses. Comment les Français évaluent l'efficacité des polices municipales? 58% trouvent les polices municipales plutôt efficaces. Un tiers des Français ne partagent pas cet avis. Pour eux, les polices municipales ne semblent pas avoir fait la preuve de leur efficacité. Les policiers municipaux sont-ils bien formés? Une majorité de Français considèrent que les policiers municipaux sont plutôt mal formés à leurs fonctions. 36% trouvent au contraire les policiers municipaux bien préparés à assumer leur